باني أقبض على عشان أنا أقبض عشان وبعد تنزيد نبرتجاه حتى على الفيسبوك، مش مشكلة، ما أحبش تعديلي ديريكت فيسبوك. دونك هبطت عشان في الاكسبير بريب هتلقاه. أي أنا هبطت عشان وتنزيد نبرتجاه حتى في الفيسبوك. Ben. Donc, je vais partager le document. Page Kadesh, je m'en. Page 5, au sein de la page 5, 6. عملنا الانتربريداسيون تاع الفورميل دي فرينيل مسيو اللي موجوده في الباج 5 هذيك اخر حاجه باهي عليك. مسيو فما شكون في ستامز اللي استنى باهي يلا نشوفها. اصل روحك شيك بوسه من عمروج جات ليه سكر الميكروفون سكر الميكروفون ب Donc, on va mettre le document devant nous, page 5. Trouve l'écran, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. D'accord. Donc, je rappelle, le point sur l'ISI. Donc, on a discuté la figure d'interférence. Donc, ça c'est le cas des fonds de Young. Donc, on a dit que l'intensité, elle obéit à la formule de Fresnel, donc I égale 2 I0 fois 1 plus cosinus de pi x sur I. Et on a dit donc que I, c'est l'interfrange et elle représente la période spatiale de la figure d'interférence. Donc, on a tracé ici l'intensité en fonction de x. Voilà. On trouve là, les formes à l'interfrange, elle est à la période spatiale. Donc, elle est interfrange, deux interfranges, trois interfranges, etc. Donc, la distance entre deux franges brillantes, c'est l'interfrange. Et la distance entre deux franges sombres, elle est obscure, maintenant. ZKFKF est l'interfranche. Ben, le fond de Young. Donc, le fond de Young, le système Aslo, donc c'est les trous de Young. Donc, Aslo, le système ou trous de Young. Mais Radinaham des fentes, ça c'est pour augmenter la luminosité. D'accord? Donc, le but ici, c'est pour augmenter la luminosité. Amalekin, le pète le halizm, le fente, le halohum dima, selon la direction des franges. Donc, on a la direction des franges, la direction Y. Donc, on a une invariance par translation de la figure d'interférence selon Y. Donc, c'est pour cela qu'on doit élargir donc, les trous selon Y. On trace les fentes de chaque HVA. Donc, c'est ça les fentes. Vous avez la forme condition, c'est la condition de diffraction. Donc, il faut que la largeur des fentes doit être donc inférieure à 100 lambda pour assurer le phénomène de diffraction. Pourquoi le phénomène de diffraction il est nécessaire pour former le champ d'interférence. Ben, donc, maintenant, c'est le dispositif de fond de Young amélioré. Ben, donc, quel est le principe qui fait? Un article comme document, donc, Thomas Prito. Donc, je vais vous le paragraphe. Je vais vous le grosso modo. On va voir qu'il y a des questions sur le paragraphe avec, je vais vous le dire. D'accord, donc هذا باش نربحوا الوقت خاطر الكور طويل وباش على الاقل بالفاصون هذه نربحوا برشا وقت دونك هذاك علاش قلت لكم ديما اقراوا قبل ما نتلاقاو في السيونس باهي دونك نبدا اني ساعه نلخص الباراجراف وبعد كان فما دي كاستيون تقولوا لي
Donc, بالنسبة للباراغراف هذا باش نحسنوا في لي فون ديونغ علاش على خاطر لي فون ديونغ في الاصل فيهم الفينومين دي ديفراكسيون اللي يخلي اللوميير كي فا سانترفيري تاع لي دو زونت دونك مثلا كي ناخذوا لهنا كي نرجعوا للفون ديونغ دو ديبار دونك لي ترو ديونغ ولا لي فون ديونغ كيف كيف من غير لونتي نلقاو اللي لانتونسيتي دونك نتاع الغيون هذا نحن قاعدين نحطوا فيها E0 E0 اوكي مي سا سي اون ابروكسيماسيون سا سي اون ابروكسيماسيون باسكو الفينومين دي ديفراكسيون ما يخليهمش E0 E0 ساشون كو E0 هي سي لانتونسيتي دو لا سورس مير باش يبدلها دونك باش يردها واحده E1 واحده E2 دونك مالوريزمون هذه باش تطيح لي الكونتراست داكور دونك الحكايه هذه باش تطيح الكونتراست باهي كيفاش نعرف دونك في لينونسي اسكو باش ناخذهم الاي 1 والاي 2 ديفيرون ولا كيف كيف دونك باغ ديفو ناخذهم كيف كيف دونك باغ ديفو باش ناخذوا اي 1 ايغال اي 2 ايغال اي 0 باسكو سا سي اون بون ابروكسيماسيون في الكا هذا داكور اذا كان لينونسي ما قال حتى شي تاخذهم كيف كيف اما اذا كان قال لينونسي انه راهو suite aux défauts voilà à cause des défauts qui sont dus à la diffraction donc on va améliorer donc le système وقت راهو باش يعتبر كونو في الكا هذا اي ان ديفيرون دو اي 2 دونك هذاك علاش باش يولي الكونتراست باش يطيح دونك تبدا اي ان ديفيرون دو اي 2 دونك الكونتراست باش يولي يطيح وقتها معناتها لازمنا نحكيو على لاميليوراسيون دو سيستيم دو فون ديون Donc, il fait normalement l'amélioration du système de fond de Young grâce à des lentilles. Ben. Donc, on a une lentille qui est à l'issard, donc elle rebelle les fonds de Young. La première chose que je vais faire, c'est que je vais avec la source S un collimateur. Donc, on a un collimateur. Donc, le collimateur, je vais vous faire le chapitre LOL. On a une lentille convergente ou une source ponctuel S qui est placé dans le plan focal objet. Dans ce cas, on a le plan focal, on a le foyer قد. Donc, le S est dans le foyer. Donc, l'incidence, en incidence normale, elle est parallèle à l'axe optique. Mais, qui touche donc la lumière au niveau de S1, c'est le phénomène de diffraction. Mais, quand on a le chose, c'est que les deux rayons qui vont s'interférer, اللي باش نلونهم لهنا دونك بالاصفر تلاحظوا اللي عندهم نفس لونغل تيتا بارابور على ديريكسيون جيومتريك ديريكسيون جيومتريك اللي هي بالبوانتي الاكحل باردون ديريكسيون جيومتريك اللي هي بالبوانتي الاكحل هنا هذه ديريكسيون جيومتريك دونك اذا كان هو عنده نفس لونغل تيتا بارابور على ديريكسيون جيومتريك دونك لانتونسيتي نتاع لي دو رايون كي فون سانترفيري باش تكون اكزاكتومون لا ميم معناتها لانتونسيتي نتاع الريون هذا والريون هذا كي يتلاقاو في البوان ام باش يكونوا اكزاكتومون لي ميم Donc, le contraste, il va être amélioré. Il va tendre vers 1. D'accord? Donc, mais le rôle entre les deux lentilles ensemble, déjà, la première chose, c'est que le contraste est très bien. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la lentille L2, elle va augmenter la luminosité. Qui fait qu'elle va augmenter la luminosité? Donc, il y a un stress où la lentille L2 est présente. Donc, il y a un stress où la lentille L2 Donc, je vais vous montrer comment ça se Donc, supposons que la lentille L2 n'existe pas. Donc, on a la lentille L1, déjà à Hadra. Je dis, ben, donc, on a un faisceau qui est parallèle, qui va éclairer donc, les deux fonds de Young, F1 et F2. Ben. Donc, je sais le phénomène de diffraction. Donc, on a la diffraction, on a qui marque. On a la diffraction, on a qui marque. Voilà. Donc, diffraction, c'est un champ d'interférence. Donc, vous voyez ici qu'il y a une grande partie de la lumière qui est perdue à ce niveau-là et une grande lumière qui est perdue à ce niveau-là. Donc, ce sont des pertes. Voilà. Donc, je vais vous mettre l'antithène. Donc, l'antithène, c'est pour récupérer toutes ces pertes-là. D'accord ? Donc, on peut récupérer toutes ces pertes grâce à cette deuxième lentille L2. Donc, le rôle de L2, donc, ça sera le confort lumineux. D'accord? Ça, c'est un mot technique, le confort lumineux.
نقصدوا به كانوا اللوميوزيتي باش تقوى سور ليكرون. فوالا دونك مالا كونكلوزيون كي نرجعوا للسيستم تاعنا كونكلوزيون لي دو لونتي مع بعضهم ال1 وال2 باش يحسنوا الكونتراست على خاطرهم باش يخليوا لي دو غايون كي سانترفير عندهم la même intensité au niveau du point M, ce qui va améliorer le contraste. Ou le rôle de L2, quelle lentille L2, il y a déjà un rôle de luminosité. Donc, elle va augmenter la luminosité de la figure et on appelle cette technique donc, le confort lumineux. Voilà. Donc, c'est grosso modo ce qui est important de ce paragraphe. Et ensuite, on dit le calcul de la différence de marche, donc, on va de l'application. Donc, je vais faire comme qui fait que je différence de marche dans ce cas-là. Donc, différence de marche delta. C'est quoi delta? Donc, c'est le deuxième chemin moins le premier schéma. Donc, delta égale le deuxième chemin qui est S, donc S2, H, M, moins S, S1, M. D'accord. Donc ici, on va utiliser le théorème de Malus. Donc on a tracé ce plan d'onde. Donc le plan d'onde, on va dire un cône perpendiculaire au rayon. Donc puisque c'est un plan d'onde, alors tous les points qui appartiennent à ce plan possèdent le même chemin optique par rapport au point M. C'est-à-dire que le chemin optique S1M égale le chemin optique HM. D'accord? Donc, c'est écrit à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'est à retenir. Donc, c'est important. Donc, le chemin optique S1M égale le chemin optique HM. Okay? Donc, mais la différence de marche delta, je te lis donc S2H plus HM moins SM. Donc, HM moins SM, c'est je te tache, je te crois que S2H. Il y a déjà le SS1 ou le SS2. Okay? La différence de marche delta, normalement c'est SS2 plus S2M moins SS1 moins S1M. Mais on dit le SS2 égale SS1. Donc je te tache, grâce à l'égalité, SS1 égale SS2. Donc je te crois que delta juste S2M moins S1M. Et grâce au théorème de Malus, je ne sais pas comment on a le HM ou le S1M, donc je vais avoir un S2H. Et pourquoi on enlève ces parenthèses? Parce qu'on est dans l'air, d'accord? Donc, tant qu'on est dans l'air, l'indice N égale à 1, donc je vais avoir la différence de marche S2H. Le S2H, je vais avoir le S2H. Le S2H, je vais avoir le triangle V. Il y a donc S1, S2H. Donc, je trouve l'angle θ. Donc, sinus θ, c'est égal le côté opposé, il y a S2H, sur l'hypoténuse. Donc, sinus, donc le côté opposé S2H sur l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, l'année égale à A. D'accord? C'est la distance entre les deux sources, S1, S2. Et là, sinus θ. لكن نحن نحب ندخلوا الاكس دونك الاكس اللي هي لابسيس نتاع البوان ام هنا دونك هذاك علاش اون بونس ا تانجنت تيتا دونك نستعمل لابروكسيماسيون puisque تيتا اي فيبل دونك سينوس تيتا بريسك تيتا بريسك تانجنت تيتا و تانجنت تيتا ايغال ا اكس سور اف بريم 2 دكور دونك هنا جوست فيزيكمون pourquoi تيتا اي فيبل parce que on doit respecter la condition de gauss c'est-à-dire que les lentilles هنا لازم يكونوا stigmatique, donc lentille, je m'en ai stigmatique, l'image d'un point est un point, d'accord? L'image d'un point est un point. Donc, mais je lentille L2 comme stigmatique, les rayons qui éclairent cette lentille, ils ont de faibles inclinaisons par rapport à l'axe optique de la lentille. Il y a un isme de théta qui est faible. Et bien, ça vient à la condition de Gauss. Donc, Stralin a la condition de Gauss pour écrire donc l'approximation sin theta presque égal theta presque tangent theta. Donc, فالاخر, sinus θ égale x sur f'2. Donc, فالاخر, باش تطلع لي delta égale donc ax sur f'2. Voilà, c'est ça, delta.
Donc, nous avons fait la formule de Fresnel. Donc, il y a delta. Donc, nous avons fait l'intensité. Voilà. Et nous avons l'interfrange I égale lambda 0 F'2 sur A. Avec un âge, soit c'est la période spatiale, soit nous avons fait la variation de l'ordre d'interférence. Donc, delta P égale delta. A sur lambda 0 F'2 fois delta X. Voilà. Je n'en coule pas à l'interfrange. On coule lorsque delta X varie de l'interfrange I, delta P varie de 1. Donc, je n'en coule l'interfrange I égale lambda 0 F'2 sur A. Voilà. Donc, ça, c'est l'interfrange. Voilà. Et donc, le paragraphe, c'est l'amélioration. Donc, je connais un dessous L, le paragraphe V. Probablement, tu as de l'application. Donc, je suis par étapes. ثم شكون عنده سؤال هنا؟ سؤالي يا عندي سؤال. قل لي. Principe de retour inverse كنا جنفسره لك. بيه. Principe de retour inverse. D'accord. نحن قلنا هنا أنه كيف نأخذ une onde qui se propage. Par exemple, نأخذ هنا une onde sphérique qui va se propager. Donc, elle va partir de la source mère S. Voilà. Donc, c'est un faisceau qui est divergent. Donc, la surface d'onde, c'est une surface qui est sphérique. Donc, le théorème de Malus. Donc, Malus, il roule un anoïsme surface d'onde de cône perpendiculaire au rayon. Donc, je vais vous faire le point M, le point N, le point G. Donc, on dit SM, chemin optique, égale chemin optique SN, égale chemin optique SG. B. Qui t'aide à indiquer une situation inverse. Je m'en ai une situation inverse. On a dit des rayons, colonnes, ils vont converger vers un point. Comme ça. Donc, on a une surface d'onde qui se propage vers ce point. Et le point M. Donc, je roule, maintenant, le point F1 ou le point H. Donc, je roule, elle est F1M. Égale aussi HM. Donc, selon le principe de retour inverse. Al-Khatrah Namalus, qui est tabakne à la relation, les points qui sont placés sur une surface d'onde et la source qui va créer cette onde. La source qui va créer cette onde, Ma'atel S. Donc, il faut aller à la source et les sanat l'onde ou surface d'onde qui est relatif. L'année, le point M, je m'en. Mais le point est l'onde. C'est le point qui va recevoir l'onde. Mais selon le principe de retour inverse de la lumière, c'est-à-dire on peut appliquer les théorèmes soit dans un sens, soit dans un autre, hein, kif kif. Donc on peut utiliser aussi ce théorème et dire que F1M égale HM. D'accord? Donc c'est ça le principe de retour inverse. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais me faire un sujet. Désolé, mais j'ai opté que cela a la connexion. Désolé. Donc, pour l'anti L1, le rôle de la source S.
يبرى بيلا جينيري اون سورس هادشي باهي. دونك نعاود السؤال نتاع اشرف دونك اشرف قال لونتي ال1 الغول نتاعها هي والسورس اس جينيري اون سورس الانفيني. علاش نحبوها الانفيني؟ دونك السؤال نوعا ما جاوبت عليه تسمى باسكو السورس كي تبدا الانفيني يعني لي غيون باش يجيو باراليل للسيستم. دونك نجيو لهنا دونك كي تبدا السورس اس نتاعنا الانفيني لي غيون هذوما زوز باش يجيو باراليل او نيفو دو اس1 و اس2 يعني لهنا كونا اون اون دو بلان. دونك كي تكون اون اون دو بلان الحاجه الباهيه في لون دو بلان انه لامبليتود نتاع الشون الكتريك الي لا ميم دون تو لي بلان. دونك الاس1 والاس2 باش يوصل لهم نفس الانتنسيتي اكزاكتومون مع عند السورس مير اس. داكور دونك سا سي انتريسون دافوار ليغاليتي دي انتنسيتي خاطر هذيك باش تاثر في الكونتراست. داكور قد ما يكونوا لي انتنسيتي قراب قد ما يكون الكونتراست اي ميور. دونك واضحه شي الفلان واضحه ما نجموش نعملوا نفس الحكايه الاس1 والاس2 انا في عرض لونتي واحده نعمل زوز اخرين. زوز كيفاش تحطهم زوز؟ نحطوا الاس1 في الفوي ايماج نتاع اوبجي نتاع الاولى والاس2 في الفوي ايماج نتاع الثاني. اي عندك كي يوليو اس1 و اس2 انديبوندون تولي وقتها ما عادش عندك لي كونديسيون دانترفيرونس. فهمت؟ Donc, ils ont dit que l'S1 et l'S2 proviennent d'une même source. Ben, je connais que l'on a un sujet dans la partie. Ben, règle, ben. Donc, nous sommes sur l'application. Donc, sur l'application, on va considérer donc, le montage de la figure 6. On prendra des deux lentilles identiques. F'1 égale F'2 égale F'. باي فيغور 6 معناتها الفوقانيه هذيك دونك شناخذهم قد قد داكور. كيل ايفي كيل اي ليفي دو ترانسلاتي لي دو ترو ديونك ان بلوك سلون اكس. دونك لهنا اش باش نعملو؟ دونك سيلو بلي اللي قاعد حل الميكروفون يسكرو قاعد يعمل في صوت بيرتوربون. باهي قلنا دونك وين باش نعملوا ترانسلاسيون تاع لي دو فونت اس1 و اس2. دونك كي نعملوا ترانسلاسيون لهنا ديما لوند كي فا اريفي او نيفو دو اس1 و اس2 باش تكون ديما هي نفسها لوند بلان. داكور خاطر ما تنساوش هنا اللي عندنا بليزيوغ فيسو بليزيوغ غايون. مثلا كان نزيد نسطر دوتر غايون دونك باش يكون عندي لهنا غايون خارج من الاس واحد اخر هو بيدو هذاك باش يمشي ديما اون اون دو بلان فيغ سو بلان. كيف كيف كان سطر غيون واحد اخر خارج من الاس هنا كيف كيف هذاك باش يمشي اون فيسو باراليل فيغ لو بلان. وعندي انفينيتي دونك il y a une infinité de rayons. Donc si je vais translater le plan des fentes S1 et S2, en fait, on va toujours éclairer ces fentes de la même manière. دونك عباره هنا بدلنا حد شيء داكور. دونك كنقراو هوني تحت الكيستيون تو لو ريزونمون ايفيكتوي بريسيدامون اي انكور فالابل. لي رايون اريف ان فاز سور اس1 و اس2 سولون لو تيرم دو مالوس. لا بارتي ابري لي ترو دون اوسي لو ميم ريزولتا. دونك لي فرانش دانترفيرونس سون انشانجي. داكور دونك لهنا مالا كي تعمل ترانسلاسيون تاع لي دو فونت اس1 و اس2 في الكا هذيا ما يصير حتى شونجمون. كيستيون ثانيه اون ترانسلات لو بوان سورس اس دون ديستانس x0 سولون x كيل سون لي كونسيكونس سور لا فيغور دانترفيرونس. دونك لهنا مالا باش نجيو ليماج نتاعنا هنا مونتاج اون فا ترانسلاتي لا سورس مير. دونك اون فا ترانسلاتي ترانسلاسيون لهنا دو لا سورس مير. بطبيعة الحال واضح كانوا الديستانس SS2 ولا لو شوما اوبتيك SS2 باش يولي مختلف على شوما اوبتيك SS1. لكن البارتي اللي بعد لي فونت
يعني الشما اوبتيك اس 2 ام مو اس 1 ام تقعد هي نفسها. دونك نحن شو لقينا؟ لقينا اللي اس 2 ام مو اس 1 ام هي نفسها اس 2 هاش ولقيناها ا اكس سور اف بريم 2. دونك تقعد الخدمه على البارتي اللي قبل لي سورس اس 1 اس 2. دونك قبل لي سورس اس 1 اس 2 دونك انتم قريتوا الدوكيومون ها وصورت لكم هنا دونك التصويره. دونك هذه التصويره قبل اس 1 اس 2. دونك تلاحظوا لهنا اللي الشوما اوبتيك اس اس 2 ولا اكبر من الاس اس 1. دونك باش نعمل البروجيكسيون لهنا كالعاده باش نتحصلوا على بلون دونت اللي هو هذا بلون دونت. دونك لو شوما اوبتيك شكون هما اللي ولاو قد تقدموا ما عادش اس اس 2 ايكال اس اس 1 ولا تعنا اس اش بريم ايكال اس اس 1 دوك. دونك يجيو نحسبوا ديفيرونس دو مارش الاخر دلتا جديده تو دلتا 1 اللي قبل معناتها اللي قبل لي سورس باش نلقاو اش بريم اس 2 داكوغ باش نلقاو اش بريم اس 2 باهي. دونك فما شكون حل الميكروفون سيل فو بلي يسكر باهي انا باش نسكر الميكروفون بعقل بيرتورباسيون باهي. دونك لهنا مالا عندي دلتا 1 قبل لي سورس هي اس اس 2 مو اس اس 1 دونك باش نلقاوها اش بريم اس 2 دو لا ميم فاسون باش نلقاوها ا اكس 0 سور اف دو لا ميم فاسون داكوغ. علاش؟ على خاطر عندك هذه اش بريم اس 2 هي ا سينوس الفا اللي هي بريسك ا الفا اللي هي بريسك ا تانجونت الفا و تانجونت الفا هي اكس 0 سور f prime a sur f prime. Bon, on s'amène à f prime. Quand on a f prime a égale f prime 2. Voilà, donc sur f prime. Voilà. Donc, via le bonus de delta. Donc, delta, mais les chenons, les fleur en totalité. Donc, on a deux différences de marche. Donc, on a les sources, on a les sources. Donc, l'intensité, fleur, je ne sais pas, je vais la formule de Fresnel. On a le delta de l'expression jdida. Donc, par rapport au cas où S est sur l'axe optique, les franges sont donc translatées de la distance x0 selon moins x. Donc, on est sur la translation. Allez, sur la translation. Donc, il me fait le mat qui est f de x. On va redonner f de x plus x0. Donc, la fonction jdida, f de x plus x0, il y a la courbe de donc translation par la courbe de f. De la quantité moins x0 à l'axe des abscisses. D'accord? Donc, il y a une tariqa l'oula. Je te fais un lien, tu as une translation. Fama tariqa okh. Donc, on pourra retrouver ce résultat en cherchant la nouvelle position de la frange centrale après la translation de S. Donc, là, on va dire que la frange centrale correspond à delta égale à 0. Donc, à ne pas confondre avec la frange au centre. La frange au centre, centre de l'écran, elle correspond à x égale à 0. Donc, on a le delta l'aqdim. Delta l'aqdim, je n'ai qu'un delta l'aqdim, qu'un ax sur f'. Donc, il y a delta égale à 0, je n'ai pas la frange au centre, la frange centrale égale à 0, égale la frange au centre. C'est confondu. Mais tu as delta de badlet. Ou l'aide a fois x sur f prime plus x0 sur f prime. Donc égal à 0. Donc x égale moins x0. X centrale égale moins x0. Donc la position de la frange centrale de badlet match 0 ou l'aide moins x0. Donc tu as sur la translation en bloc. Allez, je vais la translation en bloc. Alors, quand il y a une figure d'interférence, fait plusieurs franges. Donc, إذا كان أنت قلت كون الفرنج سنترال هذه باش تعمل ترانزلاسيون مثلا باش تهبط لهنا اللوطا دونك سي تو لو سيستيم دو فرنج اون بلوك كي فا سوبير لا ترانزلاسيون باش يتبع بعضه الكل على خاطر ديما عندنا الانترفرنج إت أون كونستانت. دونك هذه زاد طريقة أخرى باش نبينوا بها لا ترانزلاسيون دو لا فيغور دانترفيرونس.
Donc, la frange centrale est définie par delta égale à 0. Donc, avant la translation, x centrale égale à 0. Et après la translation, elle est négative. Donc, la frange centrale et par suite, tout le système de franges se translate vers le bas. Troisième question. On remet maintenant S sur l'axe optique dans sa position initiale. On place à présent, juste avant S1, une lame de verre à face parallèle très mince, d'épaisseur E et d'indice N0 qui est strictement supérieur à 1. Que se passe-t-il? Donc, comme dit, lame à face parallèle, elle ajoute la différence de marche supplémentaire N0 moins 1 fois E. Donc, je vais le delta à N0 moins 1 sur E. Mais où est-ce que c'est? C'est le chemin de S1. Donc, on met le chemin de S1. Donc, vous voyez? Donc, avant le chemin de S1, on a un signe moins. Donc, le résultat final, on a un signe moins. Il y a une différence de marche. Qu'est AX sur F'2. Et en ajoutant la lame, donc on va ajouter ce terme. Il y a moins N0 moins 1 fois E. Kif, donc, la frange centrale, je ne sais pas de la place en terre. Donc, la frange centrale, toujours définie par delta égale à 0, je n'ai pas x, c'est égal quelque chose qui est positif. Donc, mon débit est positif, le système de frange se translate vers le haut, c'est-à-dire selon plus x. Monsieur? Il y a un trajet par le S1, je ne sais pas. Je connais le trajet par le S2. Il y a un trajet par le S2, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas la différence de marche. Fin le chemin, je sais pas. Les plus. Le chemin fin, hein, quoi là? Voilà, donc je trouve la différence de marche delta à l'autre. Plus N0 moins 1. Tous les plus, très bien. Donc tous les plus. Donc le x central, signe de tâche, je suis là. Négatif. Négatif. Je suis là négatif. Donc tu as sur la tâche l'autre. Donc, mais la dîme, qui est une chute de l'âme. Est-ce que je suis donc au niveau de S1 ou bien au niveau de S2? Donc ça dépend de la position de la lame. Donc si elle est au niveau de S1, donc la figure va monter, va se translater vers le haut, hein, voilà, selon plus x. Sinon, donc ça sera le contraire. Ben, donc pour le matin, dans le paragraphe suivant, Femé Chisouel, assurez-vous. Monsieur? Oui. Qui fait rajouter la marche optique supplémentaire? D'accord. Donc, elle est là. Je n'ai pas la même, je n'ai pas le rayon. Il est à fait au là. Donc, le rayon, il va traverser l'épaisseur de la lame, qui est égale à E, entre le point que je vais l'appeler, par exemple, A1 et A2. Donc, avant. Avant donc la lame, qu'est-ce qu'on met la lame? Quelle distance A1 A2 dans l'air? Donc le chemin optique A1 A2 égale à E. Mais après, quand on a mis la lame, le chemin optique A1 A2 voilà N fois E. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté alors? Le delta supplémentaire. Donc c'est après moins avant. Donc c'est NE moins E. Donc, ça donne N moins 1 fois E. D'accord? Donc, il faut voir combien la lame a ajouté par rapport à l'état initial. D'accord? C'est clair? Oui, voilà. Merci. D'accord. Pas de questions? D'accord. Donc, passons au paragraphe 3. Où on va étudier la cohérence spatiale et on va commencer par le premier cas où la source mère est constituée par deux points sources. Donc les deux points sources sont ma P1 ou P2. Okay? Donc je cherche le point P1 ou le point P2. Donc on a fait une différence de marche delta à la source. On a différence de marche delta pour P1, on a différence de marche delta pour P2. Ben, différence de marche delta 1 pour P1. Donc je vais là. خنيخذ الساعة نحن بصفة عامة S2M و S1M هذه بيناها قبل ذكركم بها donc S2M و S1M
قلناها في الشابتر بريسيدون سي ax سور غروند دي. فوالا دونك دو ميم دو ميم نفس الريزونمون نجم نقول اللي اس دو بي 1 موان اس 1 بي 1 بنفس الطريقه بالضبط. دونك سي ا فوا لابسيس نتاع لو بوين بي 1 دونك لابسيس نتاع البوين بي 1 لهنا هي شطر الهاش دونك تطلع هاش سور 2 دونك سي سرا ا فوا هاش سور 2 دونك ا فوا هاش سور 2 سور لا ديستانس دي بريم. Donc la marche optique, voilà, la différence de marche optique, là, P1 S1 M moins P1 S1 P1 S2 M moins P1 S1 M. Donc ça la P1 S2 moins P1 S1 d'une part, il y a AH sur 2 prime plus S2 M moins S1 M d'autre part, il y a AX sur D. Donc delta, ça la la somme des deux, yani ça la A en facteur fois X sur bon oui, x sur d plus h sur 2d'. Voilà. Donc, ça, c'est la différence de marche delta. Ben, c'est le P2, donc je suis l'inverse. Je suis juste l'inférieur h sur 2, donc l'abscisse, l'inférieur, le point P2, c'est moins h sur 2, donc on dit ainsi, moins l'inférieur, au lieu de plus. Ben, on dit deux sources indépendantes. Donc, il y a P1 ou P2. Donc, le P1, je t'ai dit l'intensité I1, je t'ai dit le système d'interférence en TH. Sur ce P2, je t'ai dit le système d'interférence en TH, il y a I2. Puis, il y a la différence de marche en TH correspondante, il y a la différence. Les deux points source P1 et P2, donc ça c'est important, on fait la rédaction, sont incohérentes. D'accord? Donc, les deux sources sont incohérentes, donc on va faire la somme. Nous sommes, donc on va utiliser la trigonométrie, donc cos A plus cos B, et on va trouver donc cette intensité où il apparaît ici donc le facteur de visibilité. Donc on est habitué donc, à ce genre de raisonnement. Dima, on va toucher la cohérence parfaite de la source, donc il y aura toujours une apparition de facteur de visibilité. Je l'ai déjà fait chapitre précédent, et dès qu'on considère une source qui n'est pas monochromatique, c'est-à-dire on va jouer sur la cohérence temporelle. Donc, on a remarqué l'apparition d'un facteur de visibilité V à côté du cos. D'accord? Donc, cette fois-ci, on va jouer sur la cohérence spatiale. C'est-à-dire que S, elle est monochromatique. On ne va pas toucher à la cohérence temporelle. Donc, elle est monochromatique. Mais juste ici, on va jouer sur la cohérence spatiale. Et comme premier cas, ici, on a pris deux points indépendants. Elle est P1 ou P2. Donc, quand on a fait l'interférence, on a trouvé l'interférence pour P1 wahada, pour P2 wahada, et pour les deux sources en même temps, on trouve l'intensité avec un facteur de visibilité. Donc, vous savez très bien que le contraste égale la valeur absolue de facteur de visibilité. Donc, ici, on voit très bien que le contraste n'est plus égal à 1. Donc, c'est un cosinus, donc c'est une fonction. Et le plus important ici, c'est que ce cosinus, il ne dépend pas de x. Donc, vous voyez ici la variable x. Donc, x n'existe pas au niveau du facteur v. Donc, ce n'est pas comme dans le cas de la cohérence temporelle. Donc, l'année, faites attention, hein, on ne va pas parler de l'enveloppe et de l'enveloppé. D'accord? Donc, l'année, les fonctions, donc, enveloppe, enveloppé, à la khater, le cosinus interne, dans le facteur de visibilité, ma douche, x comme variable. D'accord? Donc, x, l'année, c'est une variable de deuxième cosinus. Donc, le cosinus, le facteur visibilité, il va jouer le rôle d'un paramètre. D'accord? Donc, on parle ici d'une fonction qui est paramétrique. Donc, c'est quoi les paramètres sur lesquels on peut jouer? Donc, on a l'h, je vais avoir l'h, surtout. Ou ça, je vais avoir l'a, d'accord? Donc, mais ce n'est pas fréquent. Mais femme a des cas, on va avoir l'a. Mais surtout, on va avoir l'h. Donc, l'h, il y a ce qu'il y a l'h, d'accord, comme il y a. Le H, c'est la distance entre les deux sources P1 et P2. Donc, il y a une chose. Il y a le P1 ou le P2, c'est-à-dire on revient au cas parfait, la source ponctuelle. Donc, imaginez P1 et P2, on les met sur l'axe. Donc, P1 et P2, on les met sur donc une source ponctuelle. Donc, le H égale à 0. Donc, si on remplace ici H par 0, donc on va trouver que cosinus 0 égale à 1. On va trouver alors le contraste maximal. Ben, pour ce qui est du traçage de la courbe, donc là, juste, je vais vous dire cosinus, donc je vais vous dire enveloppe, enveloppée. D'accord?
دونك باش نصوروا كوسينوس الحاجه اللي تتبدل من كوس الكوس هي لامبليتود نتاعو علاش على خاطر الكوسينوس هذايا اللي هو الفاكتور دو فيزيبيليتي هذا كوسينوس هذاك هو ان فيت il va jouer le rôle de l'amplitude du cosinus اللي هو الفونكسيون تاعنا دونك هذه الفونكسيون تاعنا الفونكسيون دو اكس عندها امبليتود بجنبها اللي هو هذايا كي ديبون دان بارامتر شنو هو البارامتر هذا هو الهاش دكور دونك ينجم مرات يكون الامبليتود نتاعنا كبيره كيما تنجم تكون صغيره مثلا هنا امبليتود كبيره وهذيك احسن امبليتود دكور وقتها الهاش هنا ايجال زيرو دكور يعني هذيك احسن كونتراست هذه مثلا الاش صغيره دونك هنا الاش باش تكون بلوتو اكبر شويه دونك بلو غروند اون فا دير ستريكتومون بوزيتيف دكور دونك اذا كان الاش تكبر C'est-à-dire qu'on va éloigner P1 et P2, on va avoir donc deux sources, on remarque que le contraste va diminuer. Allez, le contraste diminue, à la fois les franges sombres ou brillantes, ou les intensités donc on va trouver une difficulté pour distinguer ces deux franges, c'est-à-dire que le contraste va diminuer. Donc dans ce cas-là, le contraste est plus faible. Voilà. Donc, on a montré ça déjà. On a le contraste dit mal valeur absolue de V. Donc, il y a un peu les positions de brouillage, c'est-à-dire, donc, la figure n'est pas claire, n'est pas nette. C'est lorsque le contraste est égal à 0, c'est-à-dire V égal à 0, c'est-à-dire le cosinus est égal à 0. Donc, le cosinus, il s'annule pour N, donc 2N plus 1 fois pi sur 2. 2N plus 1 fois pi sur 2. Donc, on va simplifier par 2. Donc, on a un cosinus de pi a h sur lambda 0d. Pi a h sur lambda 0d égale 2n plus 1 fois pi sur 2. D'accord? Donc, 2n plus 1 fois pi sur 2 correspond à n plus 1 demi fois pi. C'est la même chose. Donc, on va trouver h. Elle présente ses valeurs. Maintenant, quelle valeur le cosinus نتاعي شبيه باش يعطيني 0 d'accord le facteur de visibilité نتاعي باش يعطيني 0 donc باش نلقاو une intensité qui est partout la même d'accord c'est quoi c'est égal à quoi partout la même donc là اذا كان ناخذ le facteur de visibilité égal à 0 باش نلقاو l'intensité égale 4 et 0 d'accord donc l'écran لهنا باش يكون uniformément éclairé donc ça c'est ce qu'on appelle le brouillage total واش معناها توتال معناها بارتو سي برويي مش كيما الكا هذه مثلا نفس نوريكم الكا هذه في الكا هذه نتاع ليتود نتاع ليتود دو لا كوهيرونس تمبوريل وقت اللي ناخذ اون سورس كي كازي مونوكروماتيك فوي سي دونك فما بلايص تلقى فيهم الكونتراست كي اكسبتابل كي تري بيان دونك سي لا فيغور كي نت دون سيت زون اي دون سيت زون الى بروياج داكور دونك سا سي دون لو كا دو لا كوهيرونس تمبوريل في الكا نتاع سورس كازي مونوكروماتيك Donc, vous voyez qu'il y a des zones. Enfin, il y a des zones nettes, des zones qui sont brouillées. Ouais. Par contre, dans le cas de la question, il y a des zones. L'écran est uniformement éclairé. C'est-à-dire que partout sur l'écran, on a brouillage. Donc, on appelle ça le brouillage total. D'accord. Donc, dans ce cas, les franges brillantes associées à un point source coïncident avec les franges noires associées à l'autre. Remarque, ce résultat est la base de l'interféromètre stellaire. Il est utilisé, par exemple, pour mesurer l'écart angulaire entre les deux composants d'une étoile double. Donc, par exemple, on la traite sous forme d'une application. Oui. Monsieur, donc, les deux sources. Les deux sources. Voilà. Donc, un manuel par graphe donc un fameux L3. Oui. Monsieur, ma femme, je m'en ai pour les valeurs de H à Kuma en fonction de N. اي فالور من هذيك تكون الفاكتور دو فيزيبيليتي نولا اي دونك خاطر احنا قلنا لوجنا عليهم دونك لي فالور شوف هنا وقت اللي حطينا سي ايكال 0 داكور دونك اش معناها سي ايكال 0 معناتها في ايكال 0 سادير كو كوسينوس دو بي ا اش سور لامدا 0 دي بريم اللي هو الفي دوات اتر ايكال 0 Donc, quand le cosinus est égal à 0, c'est lorsque l'intérieur de cosinus, la partie est égal à quoi? Égal à 2n pi sur 2 fois pi sur 2. Voilà. Donc, il y a
En fait, n plus n demi fois pi. Voilà. C'est bon. Donc, mais les valeurs ont le hasard. Donc, on un contraste égal à 0. Ben, juste question autre. Le facteur de visibilité, qui fait ça? Donc, le facteur de visibilité, on revient au cas parfait. D'accord? Donc, on va mettre P1 égale P2. Donc, il y a un cas parfait, yani, la source ponctuelle. Donc, on va mettre P1 égale P2 à ce niveau-là. C'est-à-dire que H égale à 0. Donc, on va mettre H égale 0 sur le facteur de visibilité. Il va mettre H égale à 1, parce que ça, c'est le cas parfait. Donc, il y a l'expression de l'intensité. Il y a un check entre le cosinus هذا ou le cosinus هذا. Déjà, le cosinus est ثاني, ما فيهوش H. Donc, واضح. Avec moi, je suis le facteur de visibilité. Le cosinus الاولاني فيه H. En plus, qui تعوض H ب 0, تلقاه égal à 1. Donc, avec un délil, on a le facteur de visibilité parce que رجعك le contraste maximal. OK. Merci, monsieur. D'accord. J'ai une question. On a dit que le P1 ou le P2 appartiennent à la même source. Le P1 ou le P2 appartiennent à la même source. Oui. Non, P1 et P2 sont indépendantes, mais ma brave mazouz, ils constituent la source mère. D'accord. Peut-être qu'on a un petit fiche incohérent. Ils sont indépendantes, là. Mais deux sources secondaires qui proviennent d'une même source mère. Par exemple, il y a un drap P1 et le P2 est en train. Donc, la lumière est le P2, mais elle est en train de se faire la lumière est le P1 et vice-versa. D'accord? Donc, les deux sources sont indépendantes. Et ma brave Zeus, ils constituent la source mère. Zeus, ils vont éclairer les deux fonds de Young. D'accord? Yani, les fonds de Young S1 et S2 sont les sources secondaires. Ou le P1 ou le P2, ils constituent la source mère. Qui j'ai une halouha mendech la source mère, on a le fait deux points indépendants. Donc, le P1 ou Hadha, Bustasna a un système d'interférence grâce à la division du front d'onde entre S1 et S2. Ou le P2 ou Hadha, Bustasna a une figure d'interférence grâce à la division de front d'onde entre S1 et S2. Comme résultat final, on va observer l'accumulation de deux systèmes de franges. Ou il y a un système de franges à Domazos. J'ai oublié de tariqa hadia. Donc, je modélise ça donc, avec mes mains. Donc, il y a un des deux systèmes de franges, j'ai oublié de tariqa hadia. C'est-à-dire la frange brillante de l'une, elle est donc en anti-coïncidence, c'est-à-dire la frange brillante d'un système coïncide avec la frange noire de l'autre, alors on va obtenir le brouillage. On va obtenir donc un écran qui est uniformement éclairé. Donc vous voyez ici, on a éclairage total partout. Il n'y a aucune frange d'un lin sombre, aucune frange sombre. Donc ça va donner une figure qui est totalement brouillée. D'accord? C'est clair? D'accord. On passe au deuxième cas. Donc, dans le deuxième cas, on va considérer une source mère qui est étendue, c'est-à-dire qu'elle est large, hein, on dit étendue ou bien large. Donc, elle présente une certaine dimension spatiale. Donc, la dimension, elle est notée H au niveau de X et Y. D'accord? Donc ici, on va considérer un point source, un seul point source de cette source large. Donc vous voyez ce point P qu'on a choisi. Et on va refaire le calcul pour le point P tout seul. Donc si on refait le calcul pour le point P tout seul, donc on va trouver delta directement. Donc c'est bon, donc on a l'arquette. Donc je vais avoir A fois l'abscisse de point P qui est grand X sur D'. Plus, donc la différence de marche qu'belle les fentes S1 et S2, ou bas les fentes S1 et S2, puis on a donc A fois petit x, celle de grand M sur grand D. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas confondre le x minuscule et le x majuscule. Okay? Donc le x majuscule, c'est l'abscisse de point P qui fait partie de la source et
le X minuscule, donc c'est l'abscisse de grand M qui est sur l'écran. C'est important, donc la nef fait le calcul, rebelle comme tu as une confusion avec. Ben, donc, la différence de marche delta. Il y a quelle différence de marche delta et je m'arrête tout simplement. Je t'écris l'intensité. Donc, je t'écris l'intensité DI pour donc, la source élémentaire. On va faire l'intégration. D'accord? Donc, delta AD. Je t'écris le DI. قصت على الكمسيون. اوكي. ما فهمش دوموند. بتيت خاوت قصت عليها. مش دوموند. باهي. طيب كان تبعث قول لها عاود ابعث دوموند. Donc, l'année plus tard, on va DI de delta. Donc, on va intégrer. Donc, I, c'est l'intégrale de DI. Voilà. C'est le principe de l'algèbre. D'accord? Donc, on va delta de la source élémentaire ponctuelle. On va faire DI de la formule de Fresnel. On va faire l'intégration. Donc, on va ici. C'est DI. Donc, on va faire delta de la DI. Juste un élément. Mais la chose elle est, je vais de faire ça, peut-être, rien, l'amplitude est dire. Donc, là, vous voyez que ça, c'est la position de DI0. Hein. Donc, quand on veut appliquer la formule de Fresnel, donc on va dire que l'intensité I égale 2I0 fois 1 plus cosinus de pi sur lambda 0 fois delta. Mais puisque là, on travaille avec une source élémentaire, donc on va écrire DI, DI0. Hein, on voit ici DI0. Donc DI0, c'est A fois DX fois DY. Pourquoi? Parce que l'intensité élémentaire qui va sortir de la source élémentaire, elle est proportionnelle à sa surface. Donc ici, on va découper une source élémentaire. Donc je vais zoomer. Donc, ça, c'est la source élémentaire, dx. Donc, cette source élémentaire a donc une dimension dx selon x, une dimension dy selon y. Donc, a une certaine surface. Donc, plus cette surface est grande, plus l'intensité qui est émise par cette source, qu'on va l'appeler ici dI0, est grande. Donc, dI0, elle est proportionnelle à la surface dx et y. Et le facteur de proportionnalité, ici, on l'a appelé A. D'accord? Donc, la DI0, c'est l'intensité qui est émise par la source élémentaire au niveau de point P. Cette source élémentaire, elle possède une surface qui est égale DX fois DY. Donc, l'intensité émise D2I0, elle est proportionnelle à cette surface. D'accord? C'est ça, donc, comment on a trouvé le DX. Le DI0. Donc, on a tout ce qu'il faut maintenant. On a DI, fait DI0 ou fait delta. Donc, il suffit d'intégrer. Donc, pourquoi on va intégrer? Parce que tout simplement, tous les points sources sont indépendants. D'accord? Malgré qu'ils appartiennent à une même source mère, mais ils sont indépendants parce que tout le monde fait la lumière indépendamment, mais les points l'autre. Donc, on a le S1 et le S2, on a dit les sources secondaires, ou que les points P, elle va jouer le rôle d'une source mère indépendante des autres. Donc, toutes ces sources sont incohérentes, à la khatouram, indépendantes. Donc, l'intégrale, donc l'intensité totale, ça sera la somme de toutes les intensités, c'est-à-dire c'est une intégrale. C'est-à-dire qu'on va dire que l'intensité totale sur l'écran, donc I total, ce sera l'intégrale de toutes les intensités DI qui résultent de l'interférence entre le S1 ou le S2. D'accord? Donc, l'intégrale, mais je suis en des points particuliers. D'accord. Bekri, quand on a deux points indépendants,
اللي هما P1 et P2. Donc l'intensité totale, I total, c'était I1 plus I2. Donc le P1, Bishtartini, une figure d'interférence, on va dire un système de frange, c'est mieux. Donc Bishtartini, un système de frange d'intensité I1. Et le P2, Bishtartini, un système de frange d'intensité I2. Et la figure d'interférence, Bishtartini, I total, qui est égal à la somme des deux. L'énorme a une somme, parce que c'est discret, c'est discontinu, parce que P1 et P2 sont indépendants et c'est un système qui est discret. D'accord ? Donc, le P1 ou le P2, il constitue une source mère qui est constituée par deux points distincts. Ce sont deux points distincts. Mais dans ce cas, la source mère S est une source qui est décomposée en des petites sources élémentaires qui sont en juxtaposition, l'une à côté de l'autre. Donc, si je prends une seule source, donc l'énergie dx et dy comme dimension, donc je vais prendre par exemple celle-ci, donc dx et dy comme dimension, donc ça c'est la dimension d'une seule source élémentaire, voilà, mais ça c'est pour uniquement la source élémentaire. La source totale S, la S c'est la juxtaposition de plusieurs sources élémentaires, donc c'est une distribution continue. Donc, je n'ai pas le somme, c'est pas une somme discrète, alors je dois faire une intégration. C'est-à-dire que la source élémentaire P, Bishtartini DI, et la source totale S, Bishtartini I total, qui est égale à l'intégrale de DI. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, monsieur. Très bien, d'accord. Monsieur, l'année, le facteur de visibilité ne dépend pas du Y. Facteur de visibilité. Mais c'est pas clair, le facteur de visibilité. Moi, je pense que cosinus fois 2 pi sur lambda 0 fois k. Donc, supposez que c'est le facteur de visibilité, voilà. Mais c'est pas clair, le facteur de visibilité, après que nous faisons l'intégration, donc le calcul, le facteur de visibilité, je vais le sinus cardinal. Ah, c'est le facteur de visibilité. Je vais un sinus cardinal. Mouche cosinus. Bah, de même, mais le mouche, c'est le monsieur qui connaît. On a qui n'a pas une source ponctuelle. Qui n'a pas, par exemple, une source étendue. On connaît qu'une énergie ou la source CD sur les directions de frange jante. Le facteur de visibilité et la figure toi les plus nette ou bien contrastée. L'année, le contraste ne dépend pas du Y. Ben, la première chose, c'est confusion entre contraste et différence de marche. Donc, le contraste ne dépend pas de Y, alors que les différences de marche ne dépend pas de Y. Normalement, c'est ce qu'il faut. Les fonds de Young avec une source radie ponctuelle, donc les deux fonds de Young. Donc, il y a l'axe Y, l'axe X, il y a l'axe Y. D'accord. Donc, ici, on va trouver des franges comme ça. Donc, on y a delta égale à X sur D. Donc, ça, c'est la distance D. Donc, delta n'est pas une fonction de Y. Donc, on a une invariance par translation selon Y. Donc, on a le droit d'élargir la source S de façon qui est linéique selon l'axe Y. D'accord ? Donc, on va élargir de façon linéique. Donc, dans ce cas-là, on gagne en tata, sans toucher le contraste, sans toucher la netteté. Donc, intelligemment, les qualités. On gagne en netteté, on gagne en contraste
sans toucher la netteté. Voilà, قلت العكس. ذولي قلت on gagne en netteté sans toucher le contraste. أنا اللي قلت أنت. Normalement, on doit gagner en contraste sans changer la luminosité, مش netteté. Ben, صحيح. Donc, دخلت كلمة luminosité. خاطر بك ما قلتهاش. Luminosité, باقي ما تقالش غادي. تقال هنا. معناتها انت باش تربح اللوميوزيتي ماكش باش تربح الكونتراست اوكي باش تربح اللوميوزيتي وقت اللي تكبر السورس مع اس في الكا هذه باش تربح في اللوميوزيتي من غير ما تخسر في الكونتراست علاش من غير ما تخسر في الكونتراست خاطر انت الدلتا تاعك نو ديبون با دو اي دونك انت وقت اللي تعمل الارجيسمون تاع السورس مع سولون اي هنا كيما ترى tu vas pas toucher le contraste. Mais انت كثرت من لي بوين لومينو راه نرجع للبي 1 كنقسموا هذه السورس نتاعنا بلوزيغ بي 1 هنا بي 1 بي 2 بي 3 ايتترا جوسكا بي ان دونك انت عباره صنعت قداش من فيغور دانتيرفيرونس والكل جبتهم فوق بعضهم قد قد يعني كان نوريكم دونك في الكاميرا هنا ديسبوزيسيون دونك افيك نو دوا يعني انت عملت بلوزيغ فيغور كوم سا حطيت كل frange brillante, fort brillante, au centre, fort centre. Et tu as fait cette opération plusieurs fois. Amal, tu as plusieurs fois cette opération. Et tu as l'opération avec plusieurs fois, donc la frange brillante, elle devient parfaitement brillante, elle va augmenter en luminosité, d'accord? Et la frange sombre, obscure, elle va rester obscure. Donc, la netteté, même si tu as la figure d'Ima net, ou le bach, barcha fait luminosité. D'accord. Donc ça, ce qu'on appelle, on gagne en luminosité sans toucher à la netteté ou bien sans toucher au contraste. Donc, ma confusion entre contraste et luminosité. Le contraste ou la netteté, d'accord. Il s'agit de la même chose. On n'a pas élargi la source d'une façon linéaire parce qu'on a un élargissement à l'axe Y, on a un élargissement à l'axe X. Donc, pour ne pas faire la confusion avec les abscisses de point M, amène à grand X, amène à grand Y. Et là, vous voyez qu'à ce niveau-là, le qu'il y a delta fait le grand X. Donc, c'est A grand X sur D prime plus A petit X sur D. Donc, tu vois ici que delta est une fonction de grand X. Donc, delta ici est une fonction de grand X. Donc, si on va élargir la source mère selon la direction X, donc ceci va toucher le contraste. Par contre, l'élargissement, il est sale à l'Y, à l'Hasbliklem, à l'Hakinehtawa, et dès qu'Arahu, il n'a pas touché le contraste. Okay? Donc, l'Haj, il m'a cité le contraste, c'est l'élargissement selon X. Zouz, il m'a cité la luminosité. Maintenant, l'élargissement selon X et selon Y, je gagne encore plus sur la luminosité. Mais malheureusement, l'élargissement selon X, c'est lui qui a touché le contraste. هذاك علاش تكون لنا ان فاكتور دو فيزيبيليتي شفت تو الفاكتور دو فيزيبيليتي وقت اش يظهر نحكيو عليه وقت اللي نحكيو على التصوير الفينال بعد ما نعمل الانتغراسيون ونعمل الكالكول وكل شيء يظهر لي وقت الفاكتور دو فيزيبيليتي اللي هو طلع لنا سي ان سينوس كاردينال اللي باش يفسر لي لهنا شنو صار التاثير بالضبط وقت اللي كبرت السورس نتاعي سولون اكس شنو لقيت لهنا الدليل كونو اذا كان نرجع السورس نتاعي بونكتويل اش معناها نرجعها بونكتويل هي اللارجور نتاع السورس قداش خديناه هنا سولون اكس هنا سي اش دونك اذا كان نقص في الاش نقص فيه هنا مش تظهر لك الفرق على خاطر زوز سميتهم اش سيبوزون باش نبدلها شويه الكا نتاعنا سيبوزون نسميو هذا اش بريم دونك اش بريم هو شكون سي لا ديمونسيون سولون ايغريك شوف الاش بريم وين تظهر بالضبط في الكالكول وقت نجيو نعملوا الانتغراسيون هنا تاع دي اي باش نعملها على دو فاريابل اللي هما دي اكس ودي ايغريك دونك الانتغراسيون تاع دي اكس باش تقعد فيها لهنا الفاريابل اكس هذيك الفونكسيون لهنا كلاحظت حطيت اش دونك هذيك ما عادش تولي اش باش تولي الانتغرال من موا اش بريم سور دو الاش بريم سور دو دو دي ايغريك اللي هي باش تعطيني اش بريم هكا ولا دونك لهنا الاش بريم باش تقعد البر من الانتغراسيون في السينوس كاردينال هنا ركز مليح باش تقعد لك كان الاش دونك الاش بريم باش تدخل لداخل
تجي لهنا في وسط الاي 0 دونك اللي باش ياثر لك لهنا في الكونتراست هي الاش اللي هي الديمونسيون على الاكس دونك هذا اللي صار لهنا اذا كان نرجعوا دونك الاش طون فير 0 ستادير نرجعوا السورس نتاعنا الي فين داكوغ دونك نرجعها كيما هكا دونك الاش نتاعنا طون فير 0 لهنا ونخليه الاش بريم ما يقلقكش الاش بريم جمله باش ترجع لك الكونتراست avec un bon contraste, d'accord, ou luminosité, et que tu as H'. Quand tu as un trajet ponctuel, tu as un H', ton Z vers 0. Le Kenny Wakta Z, tu as un H', tu as un H', tu as un luminosité. Est-ce que c'est clair? Tu as un H'? Merci. Très bien. Voilà. Je connais un autre sujet. في الباراجراف هذه سي بون ب دونك هنا يا جماعه عندنا الكونتراست تراسي ان فونكسيون دو اش دونك الكونتراست هو سي ان سينوس كاردينال qu'on va le tracer en fonction de la variable U. Donc, la variable U, elle est l'intérieur, un sinus cardinal, qu'on appelle l'argument. Voilà. Donc, je rappelle que le sinus cardinal, il s'annule pour les valeurs NP. Donc, sinus cardinal de U égale à 0, c'est équivalent à dire U égale à NP avec N appartenant à Z étoile. B. Puisque U fait l'H, donc elle est positive. Donc c'est pour cela que je partie de l'axe, quand l'H est positif. En plus, le contraste elle est en valeur absolue. Donc c'est en valeur absolue, vous voyez ici. Donc j'ai pris uniquement les parties positives, quand le sinus cardinal, ou as lo ki mahake. Donc, je partie de négatif. وان بلوس البارتي هذه اللي تحت الصفر رديناها الفوق على خاطر نخدموا على الفالور ابسولو داكوغ دونك البارتي هذه تنحات نخدموا على الفالور ابسولو دو لو تراساج دو كونتراست اون فونكسيون دو دونك نلاحظوا كونو اذا كان السورس نتاعنا تكون تري مانس ستادير اش تون فير 0 في البلاصه هذه alors on obtient un très bon contraste et ça c'est le cas parfait. Mais si on commence à élargir la source petit à petit, c'est-à-dire à augmenter H, on va remarquer que le contraste il va chuter, et c'est-à-dire que la figure devient de plus en plus brouillée, jusqu'à arriver à ce niveau-là, où U égale à pi. Là, je vois la valeur à dire, donc on met U égale à pi, donc on met lambda 0, des primes sur A. Donc cette valeur, c'est une valeur qui est un peu spéciale qu'on appelle la longueur de cohérence spatiale. Déjà, on a vu une longueur de cohérence temporelle, donc c'était pour les cas des sources quasi monochromatiques. Et on définit alors une nouvelle longueur de cohérence qui s'appelle la longueur de cohérence spatiale. Donc, la question 7. Pour quelle valeur H0 de la taille de la source le contraste s'annule-t-il? Retrouver un résultat précédemment établi. Donc, plus généralement, dans quel domaine de taille de la source le contraste reste-t-il correct? Donc, la première annulation de contraste a lieu lorsque l'argument du sinus cardinal vaut pi. Donc, c'est H0 qui est égal à lambda 0 d' sur A. Ou qu'on a LS, c'est la longueur de cohérence spatiale. Obtenu à l'aide de l'argument semi-qualitatif de la variation maximale de l'ordre d'interférence. Donc, il y a donc l'argument semi-qualitatif de la variation maximale de l'ordre d'interférence. Donc, l'argument semi-qualitatif, c'est delta P. Ah oui, l'argument. Donc, je trouve l'argument. Il dit que je trouve une figure qui est nette. Il faut que le delta P à calme l'1,5. Je connais le delta P. Delta P est la variation des ordres d'interférence
وقت ال P1 تكون موجودة في ال في point de l'extrémité de la source وقت ال moins ال P وقت ال تكون في centre. بيه زيدو نفهمه أكثر. هذا ال P l'ordre d'interférence général pour n'importe quel point P de la source. Donc voyez ici qu'il dépend de grand X, elle est l'abscisse de point P. Donc Zakar comme elle est le point P là, ou le point qui a, qui c'est un point de la source, d'accord? Ben, je dis là, je le P1 il tend vers l'extrémité. Donc là, l'ordre d'interférence. Voilà. Donc là, je prends le P1, il est l'extrémité. Avec sa vertèbre, vous voyez. Ça peut me dire. Je vais zoomer ça. Donc le P1, c'est l'extrémité. Donc je prends l'ordre d'interférence. Quand là, le P fait l'extrémité. Mais je prends l'ordre d'interférence. Quand là, le P fait centre. P0 fait centre. Donc, pour l'extrémité, le grand X, Kadesh égale. Là, grand X égale H sur 2. Ou fait le P0, fait centre. Kadesh égale le grand X. Grand X égale à 0. Okay. Donc, là, je vais mettre malin. Donc, j'ai changé l'année. Ah, il y a donc H sur 2. Donc, ça, c'est l'abscisse de point P1. Fait le cas l'année. Et là, le P l'année. Moins. LP ثاني. LP ثاني. شنو فيه LP ثاني؟ دونك فيه 0 comme abscisse de point P0 ou فيه AX sur lambda 0D. Donc je trouve cette quantité. Donc je نطبق الريجل نتاعي اللي تقول كون عندي interférence nette وقت لا delta P أقل من 1/2. Donc نلقاو هنا H أقل من lambda 0D prime sur A. اللي هي نفس الريجولتا اللي لقيناه بسينوس كاردينال مي بعد ما عملنا برشا كالكول. دونك فوي لانتيري دو سو كريتير كي علاش سميه سمي كاليتاتيف باسكو ان فيت ما عملناش فيه برشا كالكول دونك سي بريسك كاليتاتيف ولقينا به دونك ان ريجولتا كي لو ميم اللي لقيناه بالبارتي كالكول بالسينوس كاردينال بعد ما عملنا الكالكول نتاع الانتنسيتي. Voilà, donc ça, c'est en fait les points les plus importants de ce paragraphe. Donc, le paragraphe, il est donc il met la cohérence spatiale, parce que le type de source mère interne large. D'accord? Donc, mais c'est la cohérence spatiale, je trouve deux cas. Le type de source mère, deux points, et un et puis deux, dans le cas où le facteur de visibilité, c'est un cosinus. Ou dans le cas de la deuxième, la source interne, elle est large, elle a un facteur de visibilité sinus cardinal. Le qina mezuz dépend de H, elle est la dimension de la source dans le cas thania, ou elle est la distance entre P1 et P2 dans le cas loulania. Le qina donc finalement, quand on netteté une tatasuera, elle dépend de cette grandeur H. Et on a défini dans le cas de la source large, donc la notion de longueur de cohérence spatiale, elle est donc lambda 0d' sur A, d'accord, avec A et la distance entre S1 et S2. Ou des primes, c'est la distance entre la droite S1 et S2 et la source mère. Donc, grosso modo, est-ce que vous avez un autre? Voilà, c'est bon. Ouais. Monsieur. Oui. Monsieur, allez, je delta P inférieur à 1/2. Delta P allège inférieur à 1/2. Donc ça, c'est un critère qui est qualitatif, semi-qualitatif. Donc, tout le monde, je t'ai admis normalement. Mais maintenant, je vais faire une démonstration, mais sous forme d'application, donc type de guidé. Sinon, donc, je vais t'expliquer qualitativement, donc allège inférieur à 1/2, parce que qu'il y a deux franges. On a une partie qu'on a brillante. Donc, on va voir la caméra. وقتاش يكون عندنا دونك الفيغور تكون نت وقتها لي سيستيم دو فرونج كلهم يشوفوا بعض وانت كل سورس لارج هذيك ما قسمناها دي سورس اليمونتير كل سورس اليمونتير باش تعطيني تصويره هذه التصويره نتاعها هذه التصويره الاولى كان نجي فوق التصويره نتاع السورس الثانيه نجي فوق قد قد نتوتي لهنا طياره نزيد واحده اخرى فوقها قد قد نزيد واحده اخرى فوقها قد قد اي جاجوت كوم سا دونك اذا كان الكلهم يجوا فوق بعضهم
يعني دلتا بي إيكال زيرو هذاش معناه كلهم فوق بعض دلتا بي إيكال زيرو معناتها إن يا أوكان ديكالاج هنا باش نلقى أحسن كونتراست سي كونتراست إيكال أن توا إذا كان جو كومونس أديكالي شوية بشوية وقتاش أخي بكا لو موفي سي لورسك لا فرونج بريانت كوانسيد افيك اون فرونج سونتر نتاع أول سيستم وآخر سيستم أول سيستم باش يكون السنتر هذه أول تصويرة تتكون وآخر سيستم هو نتاع الإكستريميتي ريتنا احنا خذنا البي أن الإكستريميتي دو لا سورس هذاك آخر سيستم إذا كان الديكالاج ما بيناتهم باش يكون دونك دلتا بي إيكال أن دومي يعني الفرونج بريونت نتاع الأولاني باش تجي في السنتر نتاع الثاني وقتها لا فيغور سوغا بروي دونك نحن قلنا ما لا يلزمك الديكالاج هذاك دلتا بي ما يفوتش الأن دومي وخذينا البداية والنهاية معناتها خذينا السنتر وخذينا الإكستريميتي السورس واضح الفكره ولا واضح مسيو ميرسي تمام مسيو كيسيون ولا لا وي مسيو انت قلت خذينا الاولى والاخر والوسط ما يتروش الوسط وخذينا نحن الوسط نتاع السورس واخر والاكستريميتي اي وما بين البي 0 والبي ا ما اثرش ما بين بي 0 و بي 1 ما بين؟ بي 0 و بي 1 إذا كان أنت وصلت إذا كان أنت وصلت تكون الديكالاج ما بين الأولى والأخرانية دونك أكيد الديكالاج ما بين الأخرين باش يكون أقل منهم على خاطر أنت قد ما طلع على السورس مش لقينا بكري نحن وقت اللي خدمنا الترانسلاسيون بتاع السورس مير مش لقينا وقت لو قتلنا أن ترانسلات لسورس مير دو X0 لو سيستيم دو فرانج يهبط دو موان X0 دونك انت قد ما تطلع على السورس مير قد ما السيستم دو فرونج يهبط دونك اذا كان انت ضمنت كونه الاكستريميتي الفوقانيه بالكل ما صنعتلكش بغوياج ما صنعتلكش ديكالاج كبير معناها دونك سيغتينمون الاخرين باش يكونوا اقل منها دونك باش يكونوا اقل تاثير منها هي خاطر هي الاكستريميتي داكوغ دونك نحن خذينا يعني لو بيغ دي كا كيما نقول سي كلير بأني طاو هاك وصلت الباش 14 اللي الناس كل قراتها ديجا إذا كان دونك تحبوا نكملوا شوية أخرى نكملوا إذا كان خليكم تقرأوا للمرة الجاية ندخلوا فيها الميكلسون كما تحبوا كاسكو واللي خليكم تقرأوا باه داكوغ حطوا لي ميساج نحكي على جماعه اللي ما قراوش اسكو نخليكم تقراو ولا ندخلوا فيه هو تعرف تدخلوا فيه باش نقراوه مع بعضنا ولا je vais aller vite comme ça donc je vais me concentrer sur les points importants كيما عملت بكري شوي على خاطر كم شوق نقراو فيهم بعضنا سا دو مون دو طون لا خلينا نقراو وحدنا على الاقل فما دي بارتي كيما اليوم ريتش توكي ربحنا وقت خاطر فما حاجات قريتوهم وحدكم اون بلوس نتصور راكم ركزتوا معايا بالكدا خاطر ديجا قارينها معناتها ملا خلينا نقراوها في الدار وحدنا بعضنا باهي هو سافا هكا مشيت الميثود من رجله دونك قريتو من بعد خلينا ركزنا على لي بوين اسونسييل سافا سا مارش باهي مالا توليو تقراو ديما اذا كان عجبتكم الميثود باهي خاطر تبداو تبدا عندكم فكره مسبقه ديجا سي انتريسون باه مالا خا نتفاهمو المرة الجاية وين باش توصلو مسيو بربي قبل البارتي كرون دو خاصة عليك كونيكسيون بكري عندي كيستيون عليها ما كان جاوبنا عليها